Bonjour à tous. Aujourd'hui, je donne un petit conseil sur comment réparer vos marques de balles pour que le gazon se referme mieux. Donc, on va aller voir nos marques de balles qu'on a ici. Donc, souvent, ce qu'on voit les gens faire, c'est prendre la fourchette puis soulever le gazon. Sauf que ça, oui, ça va soulever le gazon, mais ça va mal la réparer et en plus, ça va briser les racines. Donc, ce qu'on veut, si on regarde la deuxième marque, c'est plutôt se rentrer dans la fourchette et pousser le gazon vers l'intérieur délicatement pour aller chercher pour que le gazon se referme et ce sans briser les racines. Donc évidemment, il va falloir un petit peu plus de coups que si on y allait de l'autre façon, mais quand même. Ensuite, on aplatit avec notre poteur et on a une marque de balle réparée qui ne paraît pas et qui dans quelques jours va retrouver sa couleur. Donc, bonne fin de journée!